Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du commencement. Eh oui, au commencement, Dieu fit le Big Bang. Pourtant, la Torah nous dit qu'il a fait le ciel et la terre. Pourquoi ne nous a-t-il pas dit qu'il a fait le Big Bang? Là, le ciel, il a fait le ciel, il est là le ciel. En fait, les deux idées ne sont pas contradictoires. Il a pu faire le Big Bang, et dans le Big Bang, il y a un moment donné, il y a eu le ciel, et il y a eu la terre. Oh, la terre, regardez la terre, si tout fouillis, tout cacadou. Alors pourquoi tu nous as pas dit que tu as fait le Big Bang? Analysons le texte. Sur terre, c'était tohu-bohu, le foutoir total, la cata. Mais alors quoi? Le ciel, non? Tout allait bien, tout était normal, tout était clair? Ah, là, on peut peut-être commencer à comprendre. Le ciel, c'est peut-être les choses spirituelles, le divin, là où est Dieu. Et la terre, le truc qu'il voulait créer, le truc qui est séparé du divin, le truc improbable. Nous, au début, tout était fouillis. Les idées étaient confuses. Il a fallu faire de l'ordre. Et donc, le premier jour, il a fait quelque chose. Et le deuxième jour, il a fait autre chose. Et le troisième jour, encore autre chose. Jusqu'à enfin arriver au sixième jour, un petit peu avant la fin du sixième jour, et créer enfin l'homme placé dans l'endroit qu'il avait préparé pour lui. Alors si vous aussi, comme Dieu, vous avez la tête peut-être confuse, alors faites de l'ordre dans votre tête. Commencez par une première chose, puis une deuxième, et ainsi de suite. À bientôt.